Coucou. Bon, on va attendre que tout le monde se connecte parce que aujourd'hui, on va encore parler de choses différentes. J'ai une cliente hier qui m'a corrigée parce que j'ai tendance à dire je raconte des choses bizarres, mais cette fois, je vais raconter des choses différentes. Coucou, Saoubona à tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. On va parler de choses différentes et non bizarres, n'est-ce pas? Coucou! Oh, coucou Yann, comment ça va? Mais il est quelle heure chez vous au Canada? Il est tard, non? Vous avez fait la fête ou quoi? Monsieur tout, Habibti, monsieur tout. Coucou, Benny Longo, comment ça va, Baba? Bienvenue. On va parler de choses bizarres aujourd'hui parce que j'avais envie de parler de choses bizarres. Non, 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 non. J'ai une cliente hier qui m'a corrigée. Elle a dit, c'est pas des choses bizarres. C'est des choses différentes. Donc, on va parler de choses différentes aujourd'hui. Ok, Yanni, ça va très bien, ma belle. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Donc, on a dit, on va parler de réincarnation. Mais avant, je voulais faire un point. Pour la première fois, j'ai eu... Oui, c'est ça, des choses différentes. Parce que ce que je vais raconter ou ce dont je parle en général ici, je crois qu'on est à peu près 4700 abonnés. Et je suis sûre que dans les 4700 abonnés, il y a seulement 1% qui savent vraiment de quoi je parle. Les autres sont là parce que ça les intrigue, parce que j'ai une tête sympa. Parce qu'ils me connaissent comme Yannick qui est ma petite cousine, ou c'est de la famille. Certains sont là parce que, voilà quoi, en gros, ça les intrigue, ils veulent savoir, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est un peu la science-fiction dans sa tête. Voilà. Mais de plus en plus, je m'exprime de plus en plus parce que je veux parler réellement au 1%. Parce que c'est très important, au fait, pour les 1% ou pour ceux qui aspirent à être dans les 1%, quoi, qui aspirent à sortir un peu de cette manière de penser, de cette matrice. Okay? Donc déjà, je voulais partager avec vous, j'aime bien partager des fois mes expériences. Et j'aimerais partager avec vous une expérience que j'ai eue il y a quelques jours. Oh Yann, ça t'intéresse ce que je raconte? Ah oui? Eh bien écoute, je suis contente que ça t'intéresse. Je suis contente que ça t'intéresse et que ça réveille un peu ta conscience. Donc je suis contente, ma belle. Il faut pas être fermée dans nos boules. Effectivement, il faut pas. Et j'ai eu une expérience, ma première expérience au fait d'une âme qui était blasée. Coucou, Saoubona tout le monde, bienvenue. D'une âme qui était blasée, au fait. Autant j'arrive à négocier à vos âmes, quand vous faites des lectures d'âmes, j'arrive à négocier vos âmes, dire, regarde, l'herbe n'est pas plus verte. Ailleurs, tu peux œuvrer sur ça ou sur certaines choses. Mais cette fois, j'ai eu une âme. Non, je viens tout juste de commencer, maman. Je suis. Pourquoi on utilise le mot tomber d'ailleurs? C'est quoi la langue française? Tout le monde, tout le temps, tomber, tomber, tomber. Ils sont fatigants, hein, la langue française. J'ai eu affaire à une âme. On doit faire attention à notre vocabulaire. Hein. J'ai eu affaire à une âme qui était blasée, qui était prête à sortir qui était prête à sortir de son foyer. Ce qui m'arrive, mais ça ne m'est jamais arrivé. Et quand je regarde l'âme,
elle avait une boule de feu. Elle était prête à brûler tout ce qu'elle a créé, quoi. Sauf ses enfants. Et ça m'a intriguée, au fait. Ça a bousculé encore une fois mes croyances, parce que pour moi, on n'est pas là pour séparer des couples, on n'est pas là pour diviser des couples. Au contraire, on est là pour faire en sorte d'avoir ce foyer en paix, au fait. Et cette âme, elle était blasée parce qu'elle aspirait à s'élever, à voir autre chose. Pas autre chose dans le sens où elle cherchait même pas un autre amant ou ce genre de choses, ou le grand amour, hein, c'était pas ça. C'était juste une âme qui s'élevait dans d'autres cieux, en fait, qui aspirait à créer d'autres choses. Et ce mari qu'elle avait depuis déjà quoi, une vingtaine d'années, lui était bien dans son niveau de conscience. Et elle aspirait à grandir dans sa conscience et tout. Et elle a tout fait, tu sais, pour l'emmener dans sa façon de voir, dans sa conscience, mais ça reste, il est bien, comme un vrai plan, il est bien dans son espace, il est heureux dans son espace. Et c'est même pas une question de, tu vois, il la traite mal, ou c'est même pas une question de, voilà, il la traite mal, ou il la respecte. Non, il la respecte pas. C'est vraiment pas ça, quoi. C'est vraiment un couple normal, tranquille, une famille, des enfants. Et cette âme se met devant moi et cette cliente, donc qui vient faire une lecture d'âme, et cette cliente vient me voir et me dit, tu sais, ces derniers temps, Gassira, je suis... D'ailleurs, avant que cette cliente, c'est rare, hein, en général, je me connecte quand j'ouvre ma vidéo Zoom, c'est là que je me connecte à votre âme. Je ne me connecte jamais avant parce que il faut que je vive ma vie, quoi. Donc il y a un respect. Mais cette âme, elle était tellement pressée de s'exprimer qu'une demi-heure, parce que je mangeais, et une demi-heure avant que la cliente vienne, en fait, sur Zoom, elle était là avec moi. J'en ai marre, je veux tout brûler, j'en peux plus, il m'étouffe. Et j'ai dit, et je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute, je dis, bon, je me déconnecte, j'arrête de dire, je me déconnecte, je ne veux pas travailler. Mais elle insistait que j'étais obligée d'écrire pour essayer de me souvenir. Parce qu'on n'est pas dans... Sur Terre, on est amnésique, hein. Il faut pas... Ça, on va en parler un peu plus tard. Et donc, cette cliente vient, je la connais déjà, coucou, dans des réseaux sociaux. Coucou, comment ça va et tout? Et puis, elle me dit, Gassiera, ça va? Mais ces derniers temps, c'est lourd, hein. C'est quoi? C'est les éclipses, c'est les pleines lunes, la pub. Je la regarde, j'ai même pas pu mentir, les amis, tellement... D'habitude, je tais. Des fois, je tais. Il y a certaines choses que je tais parce que l'esprit ou le mental de la personne n'est pas prête. Mais là, je la regarde et dis, non, en fait, c'est toi. Ton âme, elle est blasée. Il dit, elle est... Mais ton âme, elle est blasée. Qu'est-ce que tu lui as fait? Et puis elle me raconte qu'elle avait fait aussi dans ses questions, donc vous m'envoyez souvent un questionnaire, et dans cette question, elle avait dit qu'elle sortait justement d'une nuit noire de l'âme. Et j'aimerais que vous compreniez un peu ce qu'est une nuit noire de l'âme, en fait. Une nuit noire de l'âme vous arrive quand votre âme, elle est complètement blasée, qu'elle casse les murs, en fait. Genre, vous n'avez plus de murs. Donc là... c'est ça en fait la nuit noire de l'âme. Vous ne savez pas où vous êtes. C'est tout noir. Enfin, c'est autre chose. Et je lui explique, ton âme est blasée. Il est gentil, ton mari, tu sais, c'est délicat. Je lui dis parce qu'elle est africaine aussi. J'ai dit c'est délicat. Hein. Nous on vient de familles africaines, on ne divise pas les couples. Mais là, il faut que c'est vraiment délicat ce que je suis en train de te dire. J'ai dit, c'est une première pour moi. Jamais je ne sépare des couples ou jamais. C'est pas possible. On ne peut pas me demander de faire ça. Parce que quand vous séparez d'un couple, au fait, quand vous divisez, enfin, quand vous séparez de votre homme, ça vous ramène une vulnérabilité en plus. Quand on n'est pas en foyer ou quand on n'a pas... Comment expliquer ça? Quand vous n'êtes pas en couple, au fait, vous êtes beaucoup plus vulnérable et cette matrice a tendance à diviser. Enfin, pas cette matrice, les entités, les interférences.
Les interférences aiment diviser les couples parce que soit l'homme est plus vulnérable tout seul, la femme aussi est vulnérable. Donc ça donne beaucoup plus d'énergie. Et je regarde cet homme, je dis, est-ce qu'il y a une entité? Je regarde, il y a zéro entité. C'est vraiment une âme qui me parle. C'était une première, les amis. Et une première de voir une âme blasée de ce couple qu'elle a formé il y a une vingtaine d'années. Et tout, sauf que son mari, il est bien là où il est. Et elle ne peut plus blaser sa ville, les grandes villes. Elle habite dans une grande ville, elle ne supporte plus. Elle dit, mais moi, je ne peux plus vivre dans cette ville. Et lui, il a un bon métier là-bas, voilà quoi, il est bien dans son métier. Je lui dis, ma soeur, je ne sais pas quoi te dire, quoi. Vraiment, là, tu as une grosse, grosse énigme parce que tu as aussi des enfants. Et ses enfants, il y en a qui vont la suivre et il y en a qu'elle va laisser, qui vont rester avec le papa parce qu'eux aussi sont bien dans cette grande ville et dans cette façon de vivre. Et j'ai dit, mais je sens aussi ton côté de mère, quoi. C'est une mère qui va être obligée de laisser ses grands-enfants avec le papa si elle veut que son âme puisse continuer à créer et tout ça. Et ça m'a vraiment secouée, vraiment. C'est une histoire qui m'a secouée dans le sens où ça allait contre, encore une fois, mes croyances. C'est fou, hein, quand on a une croyance et que ça va à l'encontre de tes croyances. Et quand cette âme venait me voir une demi-heure, je regarde Marie, j'ai dit, mais si j'étais dans son cas, c'est mon âme avant, en fait. C'est mon âme avant, en fait. Parce qu'il n'y a personne. Cette âme, en fait, je suis venue, cette étincelle divine, je suis venue avec elle, au fait, hein, et je repars avec elle. Donc tout le reste, c'est illusion. C'est une vraie illusion. Donc tout le reste, je chante bien, n'est-ce pas? Tout ça là, tout ce que j'ai créé, cette maison, ce mari, ce machin, c'est illusion en fait, c'est de l'illusion. Donc si mon âme, elle n'est pas en paix, au fait, je quitte mon mari, hein. Et je lui parlais, tu sais, cette histoire m'a tellement troublée, dans le sens où elle m'a vraiment troublée, avec des enfants, vous imaginez? Et je regarde mon mari et je lui dis, mais tu sais que on est libre au fait. Et il me regarde et je dis, oui. Il me dit, oui, on est libre. Que même s'il y a des enfants, en fait, si mon âme sent qu'elle ne peut plus créer, que tu l'empêches de créer ce qu'elle est venue créer sur cette terre, n'oublions pas qu'on est tous dans une prison déjà, eh ben, c'est bye bye coco, quoi. C'est pas évident, les amis, hein, de ce que je suis en train de partager avec vous. Et jusqu'à présent, bah d'ailleurs, si jamais il y a des femmes qui ont divorcé, qui ont tout quitté, réfléchis, hein, parce que des fois, tu quittes et c'est pas réfléchi. Et quand je reçois des fois des âmes comme ça, et quand c'est pas réfléchi, je le sens, hein, quand c'est leur ego qui parle, quand, ah, oh, il me fait pas ci, et tu vois que elle, l'âme elle-même a beaucoup de choses à œuvrer. Mais cette âme que j'ai vue, les amis, elle n'avait rien à œuvrer de plus, quoi. Elle avait de l'expérience déjà à l'intérieur d'elle. Elle me regardait genre la gamine, quoi. Non, il n'y a aucun compromis, quoi. Soit je brûle tout. Et quand une âme est comme ça, en fait, elle peut vous faire des maladies, au fait. D'ailleurs, beaucoup de gens sont malades, hein, beaucoup de femmes. D'hommes d'ailleurs ont des maladies justement parce qu'ils sont restés, ils ont utilisé leur cerveau plus que leur cœur au fait, hein. Parce que l'âme, c'est ici qu'elle se trouve, hein. Le cerveau, il est extraordinaire. Le cerveau, c'est la raison. C'est ce que cette mère, cette cliente qui est venue me voir me disait. Oui, mais c'est délicat quand même, hein. Mais oui, c'est délicat quand même. C'est vraiment un jeu d'échecs, hein. Donc voilà, je voulais partager un peu cette expérience que j'ai eue. Donc je disais, si jamais il y a des femmes spirituelles qui ont réfléchi leur divorce, ce serait cool. Leur divorce. En plus, cette âme ne voulait même pas divorcer en fait. Elle voulait même pas. Elle voulait juste le fait que il ne peut pas l'accompagner parce qu'il est bien dans son boulot en fait. Et elle n'est plus bien dans cette ville, elle n'est plus bien dans ce. Elle a envie de changer.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est même pas chercher le grand amour ou le laisser ou tout. C'est vraiment autre chose que j'ai eu à faire. Hein. C'est quelque chose de vraiment délicat. Genre, c'est parce qu'il ne veut pas aller dans ma création, donc je suis obligée de le laisser. Donc, elle dit, on peut vivre, voilà quoi, séparés. Lui, il est dans un pays, moi, je vais aller dans le pays où je veux et on va se voir en vacances avec les enfants. Elle était prête, cette âme est prête à continuer, au fait, sa vie de famille, mais sauf que l'environnement dans lequel elle est ne lui convient plus. C'est spécial quand même, hein? Sao Bonama Magasira, écouter son âme est primordial pour vivre pleinement sa vie. Je trouve qu'il y a trop de charges négatives que l'on peut porter, surtout chez nous les femmes. Ah mais absolument, absolument, c'est incroyable. J'ai eu à gérer cette situation sans enfant. J'ai écouté mon âme et je suis partie. J'ai mis quand même 5 ans, mais je l'ai fait. Ah oui, c'est spécial hein, quand même, ce genre de choses. Hein. Tu vois, autant je crois que 5 ans quand même sans enfant, c'est ouais, enfin, il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Je ne pense pas que sans enfant, j'allais attendre 5 ans personnellement, mais on sait jamais. On sait jamais. Je suis partie quand mon fils n'avait que 5 mois. Incroyable, incroyable. Oui, c'est spécial hein, quand même. Hein, parce que déjà, c'est des choses qui arrivent surtout quand vous avez un enfant, en fait. Vous devenez une autre personne, vous rentrez dans une autre forme pensée, vous rentrez dans un autre égrégore, et cet homme reste dans cet égrégore, dans cette façon de penser. Donc c'est vraiment délicat, hein, les faire des couples et tout. C'est très important que l'homme comprenne que bah, une femme, bah, quand on se marie, on devient quelqu'un d'autre. Quand on a un enfant, on devient complètement quelqu'un d'autre. Et ça, c'est nos initiations, en fait, hein. Un enfant, on devient quelqu'un d'autre. Deux enfants, moi, je vous appelle, je vous donne des galons comment on dit, comme chez les militaires, quoi. Un enfant, ça fait un galon, deux galons. Et parce que vous changez à chaque fois, vous devenez complètement une autre personne. Et cet homme, s'il n'est pas assez conscient de ça, en fait, il va toujours attendre cette femme qu'il a rencontrée, je sais pas moi, dans un jardin, dans un supermarché, dans un je ne sais pas quoi. Mais ça change, hein. Mais ça, c'est très important que on éduque nos hommes, au fait. Il faut éduquer le masculin divin de ce qui se passe à l'intérieur d'une femme. Tu deviens quand même une autre personne et ton âme évolue. Sauf que c'est comme l'impression que le masculin, au fait, il n'a pas. Il aime bien rester dans ça, au fait, parce que c'est spécial, hein, vraiment. J'aimerais bien. Est-ce qu'il est là, le baba, là? Parce que c'est très important s'il y a des papas qui veulent nous partager. Parce que je suis sûre que même les papas, eux aussi, ils évoluent, ils sont dans leur propre initiation. Mais la femme change complètement, en fait. Elle devient complètement une autre personne, un nouveau programme, au fait. Elle a un nouveau programme dans son cerveau. Et ça fait des clashs. Donc c'est très important de préparer cet homme avec qui vous allez faire votre vie là, de le préparer, de lui dire, écoute Coco, je vais être quelqu'un d'autre quoi. C'est tout. Et une chose qui arrive souvent, c'est que, et c'est ce que je vous dis souvent, quand vous trouvez votre homme, au fait, vous le maternez. Le premier amour qu'un homme a, c'est l'amour de sa mère. Le sein de sa mère, c'est lui donner le sein. Il est resté quand même 9 mois dans le ventre de sa mère. Donc, c'est le seul amour qu'il connaît, c'est sa mère. Maintenant, il y a une petite jeunette qui va venir draguer l'homme. L'homme, il connaît déjà l'amour, il connaît l'amour de la mère. Donc, il va voir si cette femme peut lui donner ce même amour de la mère. Donc, cette femme va commencer à lui faire à manger, elle va se pouponner, elle va lui donner plus que la mère. Hein, le lit, elle va lui donner, voilà quoi. C'est des choses un peu plus subtiles que la mère ne peut pas donner. La mère a le plus gros, c'est l'amour. La femme va lui donner un peu plus. Plus l'amour. Maintenant, la femme elle-même va avoir un enfant. Elle-même va donner son amour à l'enfant, mais elle va oublier qu'elle a adopté un homme. La go même a oublié que au début, c'est elle-même qui a adopté cet homme-là. Lui, il avait une femme, une mère, non? Qui s'occupait de lui. Elle a dit, viens, 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 moi, je vais m'occuper de toi. Moi, je suis bien. Maintenant qu'elle a un enfant, elle va dire,
Coco, j'ai plus d'énergie. Et elle est dans son droit parce qu'en plus, elle a plus d'énergie. Vous imaginez quand même? Non, mais ça m'a trop. C'était un sujet qui m'a troublée parce que je n'ai pas pu négocier avec cette âme. Parce que tout est négociation hein, sur cette terre. Même dans le monde subtil, c'est une négociation. Et là, cette âme, elle était juste blasée. Et c'était même plus une question d'ego, de quoi que ce soit. C'était vraiment une âme qui était prête à tout brûler, quoi. Et c'est incroyable de voir une âme qui est prête à tout brûler. Tu vois que cette terre, c'est du jeu, au fait, hein. C'est de l'illusion. Donc voilà, cette petite parenthèse sur mon expérience avec cette âme. Maintenant, on va parler de sujets un peu plus différents. Qui a vu, nous devons éduquer les hommes sur les changements, surtout lorsqu'on devient mère. Ben, il faut bien éduquer. Mais ça, c'est le boulot de la mère, non? Elle-même, elle a pas éduqué aussi. Hein. Ça, c'est la mère. La mère aussi, elle aime garder hein, cette énergie de l'enfant. C'est des liens qui sont difficiles à couper, hein. Parce qu'elle-même connaît l'amour à travers ce garçon qu'elle a porté pendant 9 mois. Ouais, en tout cas, c'est très impressionnant de regarder ce genre de choses. Bon, maintenant, on va parler de la réincarnation. La dernière fois, on a parlé des désincarnés. Pour celles qui n'ont pas vu, allez voir le live. Je voulais parler un peu de la réincarnation. Parce que dans mes vidéos YouTube, vous voyez que je suis de plus en plus ouverte sur certains sujets. Parce que j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, de vraiment parler à ce 1% qui sont prêts à entendre d'autres choses et qui sont ouverts d'esprit, au fait. Et d'ailleurs, la vidéo que j'ai mise hier sur YouTube, la cliente m'a dit, mais les gens ne vont pas avoir peur à la fin. Quand je lui ai dit, est-ce que tu veux laisser cette vidéo, cette audio sur YouTube? Elle m'a dit, mais Gassira, tu n'as pas peur que les gens aient peur? Et je lui dis, tu sais, ma sœur, pendant longtemps, je me suis moi-même auto-censurée de peur que les gens ne me comprennent pas, de peur que les gens aient peur ou ce genre de choses, de ce que je vais dire. Et je vais vous dire, mon âme est blasée. Mon âme est blasée. Donc, quand ton âme est blasée, au fait, tu as envie de partager au fait tes vérités. Avant que je ne fasse ce genre d'hypnose, je faisais ce qu'on appelle l'hypnose spirituelle. Et dans les hypnoses spirituelles, il y a trois cas. Trois cas, dans toutes ces années où j'ai fait de l'hypnose, il y a trois cas où j'étais dans des situations où je me suis auto-censurée. Parce que la personne qui faisait cette hypnose n'était pas prête pour ce genre de choses, d'entendre ce genre de choses, parce que moi-même, je n'ai pas été authentique et honnête sur ce que je sais et ce que je fais. Et cette personne était venue juste, voilà, quoi, un peu voyager. Et la première cliente où j'étais frustrée avec cette hypnose, c'est quand elle voyageait et tout. Et au retour de son hypnose, au fait, elle s'est fait attraper par, elle me dit, deux hommes. Et j'ai dit, mais tu as le pouvoir, c'est ton corps, personne n'a le droit de toucher ton corps. Et je ne pouvais pas lui dire que c'était des entités parce que ça allait lui faire peur, parce que voilà, quoi, elle n'était pas prête, parce que elle n'a pas vu dès le départ son. Elle ne savait pas ce genre, elle ne savait pas ce que c'était, au fait. Et moi, je n'étais pas honnête parce que je n'en parlais pas dans mes réseaux sociaux, dans mon site web, je n'en parlais pas. Et ça m'avait frustrée parce que je ne suis pas allée au fond de cette histoire. Donc au moins, c'est bon, elle a pris sa douche, elle a continué sa vie. Et puis cette personne me disait qu'elle avait un travail normal, mais des fois, elle dessine. Elle dessine, elle aime bien dessiner. C'est comme si son bras est pris par quelque chose. Je ne pouvais pas dire à cette personne que ton bras, c'est ton bras en fait, c'est ta main,
ton bras, ta main. Personne n'a le droit de prendre ta main. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et souvent, beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains, d'ailleurs, il y a un film là-dessus, une comédie française, j'ai oublié le titre de ce film, qui parle justement de ça. Quand tu écris, quand tu dessines, c'est très important, quand tu es artiste en général, de voir d'où vient cette inspiration, de connaître d'où vient cette inspiration. Parce que souvent, c'est des désincarnés, au fait. Et oui, les amis, c'est des désincarnés. C'est des êtres qui vivent de l'autre côté, qui, voilà, ils veulent continuer leur thèse. Quand ils sont morts, ils avaient une thèse, et ben ils vont chercher un ADN ou une personne qui a un peu la même passion. Et on échange d'énergie parce que cette personne va lui donner de l'énergie, l'autre va lui donner de l'inspiration. Et donc, celui qui est sur Terre, il va penser que c'est lui le plus intelligent, c'est son intuition et tout. Et l'autre, en échange, ben, il a un fluide et il vit de ce fluide-là, de cette énergie-là. C'est pour ça que souvent, ben, les artistes, en général, il y a de grosses maladies qui viennent avec après. Et c'était très important que je partage ça avec vous. Et donc ça, c'était des choses qui existent, en fait. Et vous voyez dans mes vidéos, dans mes audios sur YouTube, les consciences me disent souvent, qu'est-ce que tu... Je dis, quand je leur dis, je viens t'aider, ils me disent, mais qu'est-ce que tu veux en échange? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et tu te rends compte que sur Terre, il y a des échanges. Et bien de l'autre côté aussi, il y a des échanges. D'accord? Et c'est à toi de voir à combien tu as ton échange, quoi. J'ai une de mes clientes, une fois, qui a fait une transmission et qui m'a dit, oui, Gassira, avant, j'écrivais des chansons et à un moment donné, je ne voulais plus parce que c'était un peu trop bizarre et j'ai senti, j'ai essayé de comprendre d'où venait et apparemment, c'était un jeune suicidé, au fait, et qui avait du mal qui était accroché à elle et qui lui donnait de l'inspiration. Donc après, elle s'en est débarrassée parce qu'elle a compris. Donc, il y a plein de choses comme ça qui existent réellement, les amis, hein. Après ça, donc déjà, c'était ma première hypnose, enfin, trois hypnoses qui m'ont resté sur la gorge, là. Parce que je n'ai pas été authentique, parce que je n'ai pas parlé du monde invisible, parce que j'ai parlé de, oh, tu vas voir tes vies anciennes, machin chouette, mais je n'ai jamais assez parlé du côté obscur de ces choses-là, d'accord? Donc, il y avait cette expérience. Il y avait une autre expérience et ça aussi, ça m'est resté dans la gorge parce que cette personne était thérapeute et cette personne connaissait des choses, mais elle n'était pas prête encore à... Son mental n'était pas prêt à se défendre réellement. Quand une âme, une conscience me dit, je ne peux pas parce que sinon ils vont prendre mon corps. Il n'y a personne qui peut prendre ton corps, en fait. Il faut que vous compreniez ça, les amis, en fait. Personne, et je dis bien personne, ne peut prendre ton corps sans ton autorisation. Cette même personne m'a dit, ma mère m'a vendu. Personne ne peut vendre personne sans autorisation. Il y a toujours un échange. Il y a toujours un échange, en fait. On donne l'autorisation. Pourquoi toi, tu as choisi cette mère? D'où on en revient à la réincarnation? Pourquoi tu as choisi cette mère? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette mère? Est-ce que c'était l'énergie qu'il te fallait en ce moment? Donc, faut maintenant se réveiller, au fait, les amis. Il hein. Faut arrêter de dire les autres m'ont fait ça, moi j'ai fait ça, on m'a fait ça, moi je suis la victime. Quand vous voyez dans mes vidéos, vous voyez que en général, il y a toujours quelque chose qui fait que il y a. Même s'il cache, hein, d'ailleurs, dans l'hypnose, que j'ai mis hier, vous avez vu que j'ai été très sévère pour savoir comment ils se connectaient avec elle, parce qu'ils vont cacher, hein. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, ok? J'ai pas vu ta vidéo sur le désincarné, je vais pouvoir suivre ce live, enfin comprendre. Je sais pas, maman. Donc ça, c'était la
deuxième qui m'était resté sur la gorge, parce que quand moi-même je ne suis pas honnête dans mes réseaux sociaux, je ne parle pas assez du côté obscur des choses, c'est normal que quand j'ai une cliente qui vient me voir, elle ne s'attend pas à ce genre de choses. Là, vous savez quoi, jusqu'où ça peut aller. Et puis, il y avait une autre cliente et elle va revenir, c'est sûr, parce qu'elle me suit encore dans les réseaux sociaux, où elle était bloquée dans un cube. Et je ne voulais pas lui faire peur. Et je l'ai laissée dans ce cube. Mais c'est des choses qui ne sont pas normales ou naturelles. Hein, dans le monde invisible, si tu ne peux pas aller en hypnose et que tu vois que tu es dans un cube, c'est que tu es emprisonné quelque part. Okay? Donc voilà, c'est ces choses-là, c'est ces trois choses qui me sont restées sur la gorge, on dit, parce que je ne suis pas allée au plus profond de moi. Aujourd'hui, avec l'hypnose que je fais, c'est extraordinaire parce que j'y ai Émilie et on va vraiment au fond de l'histoire. Donc, je ne sais pas pourquoi on parlait de ça. Mais on va aller. Donc, maintenant, oui, je vous parlais de ça pour vous dire que je vais être de plus en plus honnête sur mes façons de voir les choses, au fait. Je ne vais plus m'arrêter parce que 80 ou 90% des personnes qui me suivent ne comprennent pas ce que je dis. C'est pas grave, je suis là pour ceux qui comprennent, ok? Des fois, vous m'envoyez des messages des messages privés. Je vais vous demander, s'il vous plaît, quand c'est des messages privés, où vous me demandez des questions sur le live, sur ce qui a été dit, de faire aussi votre part des choses au fait et de l'écrire en commentaire pour que d'autres personnes profitent aussi de la réponse, ok? Ça, ce serait cool, hein? Oui, génial, au fur et à mesure, le voile se lève. Et exactement, le voile se lève, exactement. Et ça va aider les 1% des gens qui ont l'esprit ouvert. Exactement, parce que moi, quand je me réveillais, j'aurais aimé avoir une page comme Gassiratanaba ou ce que je ressentais. Ben, il y en avait d'autres qui ont parlé, au fait. Et ça, c'était très important. Donc, j'ai fait quelques points pour vous parler de la réincarnation. J'ai vu passer sur TikTok il y a quelques mois une jeune femme qui m'a dit qu'elle a eu sa fille qui avait un gros problème on dit constipation ou constipation? Constipation, je crois. Qui avait un gros problème de constipation. Les hôpitaux ne l'ont pas aidée. Les pédiatres, personne. La petite, elle a 3 ans, 4 ans. Non, 3 ans, hein, ouais, un truc comme ça. Elle ne va pas aux toilettes. Et personne ne comprend. Ils l'ont même envoyé, ils lui ont dit, faites-lui une hypnose et tout. Mais c'est trop facile de dire, faites-lui une hypnose. Parce que moi, j'ai eu ce problème, en fait, dans mon enfance. J'avais des problèmes de constipation à tel point que j'avais peur d'aller à la selle, en fait. J'avais peur d'aller aux toilettes. C'est parce que, plus tard, j'ai compris, hein, et ça revenait, hein. J'étais enfant, j'avais ce problème-là. Au point où j'avais un ventre qui était trop dur, au fait, je n'allais vraiment pas aux toilettes. Et j'ai grandi un peu comme ça, et puis ça revenait de temps en temps dans ma vie. Même quand je suis allée au Canada, ils ont vu les hôpitaux, ils ont dit, mais t'as un ventre de grand-mère, au fait. C'est quoi? On n'a jamais vu ça, une constipation aussi forte. Dans une jeune fille, parce que j'avais 20 ans quand je suis allée, 18 ans quand je suis allée au Canada. Et aujourd'hui, je sais, c'est parce que dans une ancienne vie, eh ben, j'ai eu un sabre qui est rentré dans mon ventre et j'avais les intestins complètement coupés. Donc, j'ai cette mémoire qui est à l'intérieur de moi. Donc, du coup, côté digestion, c'était pas possible. Okay? C'est une mémoire qui revient de temps en temps. Quand on se souvient de nos anciennes vies, au fait, parce que je sais qu'il y a des personnes qui se souviennent, tu peux revivre dans ton cerveau les mêmes maladies que tu avais ou les mêmes problèmes que tu avais. Donc, c'est très important d'engrammer, de programmer
Ton cerveau lui dire oh non, aujourd'hui je suis Gassira, je suis ici, ça c'est ancien et ce genre de choses, c'est très très important. Et donc j'ai vu ça sur TikTok et malheureusement, je n'ai pas pu le partager à cette mère. C'est une mère qui est musulmane et tout, qui a une croyance, enfermée dans une croyance. Comment expliquer à cette mère le pourquoi ou les choses qui peuvent faire que cet enfant a ce problème-là? Vous voyez, donc c'est pas évident. C'est pas facile ces histoires, hein. Donc ça, c'était un autre point pour vous parler des réincarnations. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc ça, c'est mon expérience. Je ne vais pas vous raconter toutes mes expériences, hein. Mais ça, c'est une des choses qui existent, hein, et qu'on n'en parle pas beaucoup. On est d'accord que la preuve absolue n'existe pas, hein. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les entités sont-elles le développement spirituel des individus d'où les attaques? Non, c'est juste que vous vous réveillez. Donc les attaques ont toujours eu lieu, hein. Même ceux qui dorment, les attaques existent, sauf que ils n'ont pas l'essence pour le voir. C'est tout, les amis, hein. Je sais que donc ce sujet ne s'adresse pas à tout le monde, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur nos souvenirs, hein, d'anciennes vies? Il y a aussi ce qu'on appelle, ou ce que Dolores Cannon appelait l'imprégnation. Des fois, vous méditez ou qu'est-ce qui peut arriver? Vous lisez l'histoire de quelqu'un. Ça m'est arrivé une fois. J'étais chez une amie et cette amie avait sa sœur avec elle. Et sa sœur, ou elle, ou l'une d'elles, a vécu sur cette terre ou dans une autre vie, un viol. Et on a dormi dans la même maison et tout. Et je vous promets que je sais ce que c'est que d'avoir eu un viol. Vraiment. On perd sa volonté. On ressent tout. C'est ça l'imprégnation. On ressent vraiment ce que cette âme, cette conscience a ressenti quand ça lui arrivait. Et c'est désagréable. Et ça m'a choquée aussi, encore une fois, parce que je me disais, mais c'est quoi ce truc? Parce que quand tu sais, il n'y a personne qui en parle, tu ne peux pas savoir. J'aurais pu dire, c'est moi qui ai été violée, mais au fait, non. C'est juste qu'il y a eu imprégnation. Je me suis imprégnée, ben, de l'histoire de cette personne, l'espace d'un instant. En imprégnation aussi, on a ces êtres qui font de la voyance ou ce genre de choses, ou qui sont persuadés qu'ils ont été Cléopâtre dans une autre vie. Encore une fois, on est comme dans un grand champ électromagnétique sur cette Terre. Moi, je vous dis, hein, moi, je suis persuadée. Encore une fois, c'est ma façon de voir, hein. Ma vérité n'est pas ta vérité, hein. Moi, je suis sûre que c'est une prison ici. Donc, on est comme dans un champ électromagnétique, au fait, et tu peux te connecter aux histoires de tout le monde, des uns et des autres. C'est extraordinaire, hein. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver dans les imprégnations. Il y a des gens qui me disent, ah, moi, j'étais dans une autre vie Cléopâtre. Si tu savais le nombre de personnes qui m'ont dit qu'ils ont été Cléopâtre, ah, moi, j'ai été Isis. Ah, moi, j'ai. Mais vous pouvez être qui vous voulez, au fait. Il suffit de se connecter à l'histoire de cette personne et oup, vous l'êtes. Mais ça demande une autre intelligence encore plus subtile de voir si c'est votre histoire ou si c'est l'histoire que vous avez captée dans ce grand champ électromagnétique qui nous empêche d'aller en dehors de là. Moi, je suis. Des fois, je dis, cette terre, des fois, c'est vraiment une prison, quoi. Une prison pour les méchants des autres galaxies. Y a pas de... Comment sinon vous expliquez tous ces gens trop bizarres là qui font des choses trop bizarres? Comment vous expliquez qu'il y a des suicides comme ça, des assassinats comme ça, des guerres? Hein? Moi, je vous dis, on prend les gens trop
crazy dans les autres galaxies, on les met ici sur cette Terre, et il y a un grand champ électromagnétique. Et je disais ça avec mon mari, j'ai trop ri, j'ai piqué un fou rire, j'ai dit, tu sais quoi? Je crois que ici c'est une prison, au fait. Et dans les prisons, il y a toujours des bandes. Hein. Tu as la bande des Mexicains, tu as la bande des Noirs, dans les prisons, hein. Il y a toujours des bandes. Hein. Je dis, au fait, c'est ça la Terre. C'est une prison et chacun fait sa bande et que le meilleur gagne, quoi. Parce qu'on est tous dans la même merde, les amis. Des empoisonnements au chlordécone, je te dis, est-ce qu'on choisit de se réincarner? Est-il possible de ne plus se réincarner? Merci pour cette question, elle est très intéressante. La réincarnation, encore une fois, c'est ma vérité, elle n'est pas supposée être la vérité, votre vérité. Elle n'est pas obligée. Il n'y a rien qui te pousse à te réincarner. Par contre, il y a des anciennes familles. Vous savez, la Terre, elle existe depuis des millénaires. Hein. Il y a des anciennes familles qui sont des initiés, qui ont compris comment le game fonctionne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette même famille, ils savent le chemin, et ils se sont fait un autre monde de l'autre côté, et puis ils repassent et ils vont vivre et se réincarner dans la même famille. OK? C'est voilà, c'est des anciens qui sont là depuis longtemps. Et puis il y en a d'autres, un peu comme nous, un peu comme tout le monde, qui passent par des organisations. Parce que de l'autre côté, il y a des organisations. Comme je vous l'ai dit, dans mon live avec les désincarnés, il y a des organisations chrétiennes, il y a des organisations musulmanes, il y a des organisations kamites, il y a des organisations amérindiennes. J'aime pas le mot amérindienne. Indigènes d'Amérique. Donc, il y a des organisations de l'autre côté. Et donc, quand tu meurs, tu peux aller dans ces organisations et suivre le chemin selon ta croyance. Après, il y a d'autres qui se disent, moi, je ne veux pas, toutes ces organisations, elles me tapent, j'en ai marre, je ne veux pas me réincarner et puis je reste. On est toujours dans la même prison, les amis, au fait. C'est spécial, hein. On est toujours dans la même prison. Tout ce film-là, tout ce film, comme on dit dans mon pays, tout ce film-là, c'est dans la même matrice, les gars. OK? On est tous dans la même merde. Parce que c'est pas normal, les amis, qu'il y ait autant de conneries sur cette terre. C'est pas naturel. C'est parce qu'on est obligé d'être là, en fait. Et ça devient une machine. Et plus on reste. Parce que normalement, en fait, notre corps humain, en fait, il est supposé rester 150 ans. Ce corps biologique est supposé vivre 150 ans, en moyenne, quoi. Et là, on arrive à vivre 70 ans. Et là, tu te dis, c'est que on vient dans une ère, en fait, où les voiles se lèvent, que ces personnes qui ont mis ce truc électromagnétique, ce champ électromagnétique qui nous empêche de penser, de réfléchir, ce champ électromagnétique qui nous met de l'amnésie, mais on est tous des amnésiques sur cette terre. C'est pas normal de ne pas se souvenir de ses anciennes vies, hein? Donc, c'est pas naturel. C'est normal, mais c'est pas naturel. Donc, on rentre dans une nouvelle ère et j'ai l'impression que les voiles se lève, en fait, ce champ électromagnétique, il est en train de s'effriter. Bon, c'est pas tout de suite, hein. Il y en a encore un autre 2000 ou 3000 ans, peut-être, 5000, qui sait. Mais ce champ électromagnétique, il est en train de s'effriter. Et donc, ces êtres sont en train de mettre d'autres façons, en fait, d'esclavagiser l'être humain. Que tu sois noir, blanc, chinois, c'est la même merde. On est tous dans cette prison, les gars. Donc, vraiment, hein, j'aurais aimé hein, dire Black Power, mélanine. Mais quelle mélanine? On fait caca marron comme tout le monde, on a le soin rouge comme tout le monde. C'est encore un game, on est pris dans ce game, au fait, les amis. S'il vous plaît, réveillons-nous, quoi. J'aurais aimé hein, dire ouais, je suis différente, wesh, wesh, je suis différente. Moi, mon corps, ma mélanine, là, elle te... Papa! Karatéka! Mais c'est tant que tu es amnésique, on est tous dans la même merde. Tant que tu es amnésique, que tu n'es pas capable de revoir toutes tes vies sur cette terre, toutes tes vies dans d'autres galaxies,
Tu es emprisonné. Aussi simple que ça. Tu n'as qu'à prier le Dieu que tu veux. Tu n'as qu'à prier l'énergie que tu veux. Game, on est tous dans le même game, quoi. Si le soir tu dors et tu te relèves le matin, tu te souviens pas de ton rêve, on est amnésique. Donc il y a des champs électromagnétiques. Il y a une prison. On est en prison. Le seul moyen de faire une sortie hors du corps, il y a encore ce canal d'argent. C'est une prison. Si je ne peux pas déplacer mon corps, si je ne peux pas. On est en prison, les amis. D'accord? Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est ma façon de voir. C'est pour ça que c'est ce que je pense de la réincarnation de mon point de vue. Donc, quoi d'autre? Donc, est-ce que j'ai répondu? Est-ce qu'on choisit de se réincarner? Donc, est-ce qu'on choisit? Comment ça se passe? Imagine, tu meurs. Imagine, Gassira, aujourd'hui, elle meurt. Elle a plus ou moins compris comment ça se passe et dit, je veux quitter cette terre. Mais il y a ce grand champ électromagnétique qui m'empêche de passer à travers pour que je puisse repartir là d'où je viens. Et pendant ce temps où je cherche comment dépasser ce champ électromagnétique qui m'empêche de récupérer qui je suis, mon autre corps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, soit je suis assez forte et j'ai emmagasiné assez d'énergie pour me permettre de passer à travers ce champ électromagnétique, ou bien je reste bloquée parce que j'ai fait yamayama dans je ne sais quoi sur cette terre, j'ai plus d'énergie, donc je vais tourner en rond et je vais chercher une personne qui est un peu dans la même ambiance de Gassira Tanaba, qui est prête à m'écouter, et puis je vais aller chuchoter vers elle, et puis il y a un échange, elle me donne de l'énergie, parce que j'ai besoin de cette énergie pour dépasser ça. Tout dépend du nombre d'énergie qu'on a besoin pour dépasser ce champ électromagnétique, parce que des gens l'ont fait, ok? Et soit on est coincé, au fait, soit on passe par une organisation pour se réincarner, soit on attend de trouver la mère qui est assez ouverte pour nous laisser passer, quoi, parce qu'on l'a connue dans une vie ou ce genre de choses. Mais la réincarnation en tant que telle, c'est pas une obligation. C'est pour ça que tu as des communautés qui te disent la réincarnation n'existe pas. Les musulmans, tu leur dis la réincarnation n'existe pas pour les musulmans, par exemple. Par contre, il y a d'autres branches de l'islam où la réincarnation existe. Donc, c'est encore une histoire de comment penser. Tu vas en Inde, un enfant va te parler de ses anciennes vies parce que c'est ouvert, parce que ses parents savent que ça existe, ils sont dans cette machine-là. D'accord? Donc, tout est une question de croyance, en fait. Ces croyances nous empêchent d'évoluer, hein. Quand tu dis famille, c'est-à-dire famille d'âme, non, quand je dis famille, oui, ça devient des familles d'âme, absolument. Oui, ça devient des familles d'âme, parce que vous choisissez les mêmes parents, ton père va devenir ta mère va devenir ton père. Donc, il y a des familles comme ça, des familles d'âme qui ont compris un peu le jeu et qui d'une organisation. C'est une organisation aussi, hein. Par exemple, une fois, j'ai eu une cliente qui ne savait pas qu'elle pouvait s'incarner dans d'autres familles, au fait. Donc, toutes ses vies, elle les a fait aux Antilles. Genre, son père, sa mère, une fois, c'était elle la fille, une fois, ça. Et puis, c'est des choses qui arrivent, mais on est libre de faire ce qu'on veut, au fait. Mama Bambuka, comment ça va? Happy birthday! Plus jeune, on m'a fait une séance de délivrance. Un esprit s'est manifesté dans moi. Je garde le souvenir de cet autre moi agressif, le contraire de moi. Était-ce une ancienne moi, une entité? Fololo, 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 délise. Tu sais, ma sœur, il y a tellement de choses, tellement. Je ne peux pas dire c'était ça ou ça, en fait. Ça peut être tellement de choses. D'accord? Donc, une autre toi. Tu n'allais pas utiliser le mot on m'a délivré, hein, délivrance. Donc, ce n'est pas une autre toi, en fait. Ça, c'est sûr que ce n'est pas une autre toi. Okay? C'est dommage. On est dans le même game, mais on n'a pas les mêmes outils pour jouer. Notre mélanine n'est-elle pas notre atout pour jouer ce game? Wallah, twist out. Ma sœur, I wish.
Vraiment, I wish. Tu sais, ma sœur, dans les... C'est pas du blabla, ce que je partage avec vous, c'est vraiment des choses que j'ai vues. Comment tu peux expliquer que quand on meurt et qu'on se réincarne, tu sais, comment expliquer ça? J'ai vu des personnes noires être blancs. Noir, blanc, noir. J'ai comme l'impression que le choix de notre corps, c'est une énergie qui fait que ben, on veut vivre cette expérience où on est tombé dans ce... I wish vraiment twist out. Mais tant que, moi je vous dis, hein, on est tous dans la même merde, tant que je fais caca marron comme tout le monde. Noir, si je suis malade, rouge, je sais pas quoi. Mais c'est pareil pour tout le monde, ma soeur, au fait. Ta mélanine ne fait pas de ton caca de l'or, en fait. J'aurais aimé, I wish, je te dis. Vraiment, j'aurais aimé, mais ce serait me mentir et me mettre du scotch dans les yeux, ma sœur. De ce que j'ai vu, ma sœur. Ça me... I wish. Encore une fois, ce que je te dis, c'est que... I wish que vraiment... cette maladie. Mais tout ce que je sais, c'est que cette mélanine, au fait, ne fait pas en sorte que je suis libre de cette amnésie. C'est encore une autre chose pour nous parler de couleur, de mieux nous diviser encore, de mieux nous mettre en guerre les uns contre les autres, parce que ça nourrit d'autres entités, maman. Il y a d'autres organisations qui aiment bien que les êtres humains soient esclaves. Qui aime bien notre côté un peu bébête. On est comme des moutons, en fait, maman. Quand je vais dans les mondes subtils ou que je parle avec ces âmes, maman, on n'est que de la bouffe, en fait. C'est comme si on était toutes des fourmis. Il y a des fourmis rouges, des fourmis vertes, des fourmis marrons. Et puis, il y a des êtres, bah, des fois, qui veulent que ces fourmis travaillent pour eux. Et le seul moyen qu'ils ont, qui nous ont mis, ben, c'est ce champ électromagnétique qui nous empêche de faire ce qu'on veut, au fait. Parce que ce corps, maman, je veux bien que tu me dises que tu es de la mélanine, mais quand on sort de ce corps, il n'y a pas de mélanine, maman. Quand on sort de ce corps, quand on va dans de hauts lieux, il n'y a pas de mélanine, maman. Donc oui, tu peux me dire, oui, ben, moi je conduis une Jaguar, l'autre il conduit une... c'est quoi la voiture la moins chère, là? Je sais pas, moi je connais les anciennes voitures Feroza. Une conduite Feroza, toi tu as un Jaguar. Mais vous allez tous dans le même chemin en fait, vous êtes tous dans la même prison en fait, ma soeur. Donc ta Jaguar en fait ne te sort pas de ce truc quoi. Elle va peut-être t'aider dans cette illusion. Voilà, tu peux être la badass dans cette prison. Tu peux être, voilà. C'est fou, hein? Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, ma sœur. Comment faire pour ne pas être amnésique? Je me souviens de mes rêves, mais je ne sais pas si ça a un sens. Je rêve de tout, de n'importe quoi. Je ne sais même pas ce qui... Ma sœur, tu vois, ça, c'est le champ électromagnétique. Maintenant, il est en train de s'effriter, le champ électromagnétique qu'ils ont mis là. Ces êtres-là qui veulent nous esclavagiser. Mais je crois que la 5G est en train d'aider, d'agrandir ce champ électromagnétique. Donc ils vont essayer jusqu'à la fin, ma sœur. Donc tout dépend de où tu habites. Si tu habites dans un petit village où il n'y a pas beaucoup de ces choses-là, tu peux te souvenir complètement de tes rêves, voilà. Mais sinon, tu es enfermé dans ce champ électromagnétique. Ça va, merci maman. Et toi, je tombe sur un lac de réincarnation. Tu crois que c'est un hasard? Oui, non, il n'y a pas de hasard, ma sœur. La réincarnation, moi, ça, c'est spécial. Que signifie la fumée blanche qui se dégage au niveau des MAIS? J'ai pas compris, maman. Des mains. La fumée blanche qui se dégage au niveau des mains. Du fluide, tu veux dire? Du fluide, peut-être. Bah, c'est ton énergie, maman. Il va où ce fluide? Il se dégage, mais tu l'emmènes où? Doit pas se dégager, ton flux doit rester à l'intérieur de toi. On a pu être un homme, une femme dans plein de régions différentes, exactement plusieurs époques différentes, nous sommes un. Non, mais c'est incroyable, hein, mais tu sais, il y a beaucoup
Je vois des fois des gens très Black Power, hein. Je vois. Mais quand je regarde un peu, parce que tu vois, des fois, je ne suis pas curieuse, mais des fois, quand une personne me parle, pas tout le monde, mais quand je sens une personne me parler de Black Power et tout, et là, tu vois une fois où elle a été une blanche et tout, ça me fait rire, mais je ne veux pas lui dire. Je ferme ma bouche. Je m'auto-censure. Mais effectivement. C'est fou, hein, mais on est dans la même prison en fait. On est dans la même prison. On est vraiment dans la même prison. On est tous sur des bateaux différents sur l'océan de la vie, c'est clair. Donc c'est un game où il n'y a pas moyen de gagner. Ma soeur, twist hot, le seul moyen de gagner, à mon humble avis, c'est vraiment de se recentrer sur toi. De garder le plus d'énergie, au fait. Et quand tu vas laisser ce corps, d'être capable de dépasser ce grand champ électromagnétique qui nous emprisonne sur cette terre, au fait. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, oui, tu peux gagner. Pas dans le game de la terre. Moi, je parle pas de la terre, maman. La terre, maman, c'est de l'illusion. Ici, on est tous des esclaves, ma soeur. Ici, on est tous des esclaves. D'ailleurs, vraiment ici, on est tous des esclaves, ma sœur. Mais le seul moyen, je crois, à mon humble avis, c'est vraiment de dépasser tous ces agents et de garder le maximum d'énergie à l'intérieur de toi. Déjà, le plus important, c'est qu'on puisse se remémorer de qui on est, au fait. C'est comme ça que tu peux gagner. Mais si tu passes ta vie à te définir comme toutes ces communautés, de te définir comme toutes ces communautés de la Terre, comme tout ça, au fait, c'est un moyen de te garder encore dans cette matrice. Mais si tu te détaches de tout ça et que tu te recentres sur la personne que tu es à l'intérieur de toi et que tu arrives déjà à enlever cette amnésie, ce champ électromagnétique, déjà tu coupes ça, tu gagnes, maman, tu gagnes. Comment se protéger des ondes 5G? Je vous promets, je ne sais pas. Vous savez, je ne sais pas tout, hein, et je n'ai pas honte de le dire. Je ne sais pas. C'est de vivre dans un village où il n'y a pas ce genre de choses, quoi. Mais on est vraiment dans une prison, quoi. Ça, c'est clair. Twist Hot, je pense que l'on gagne en suivant ce qui élève le plus notre âme. Absolument. Vraiment se recentrer sur cette âme-là, que c'est cette partie divine et notre conscience. Pourquoi elle est venue sur Terre? Comment elle s'est fait prendre dans cette machine à réincarnation? Parce que c'est une machine à réincarnation. On revient, on revient, on revient. Parce qu'on nourrit certaines choses. C'est du fluide, hein? On est du fluide, hein? C'est de l'énergie. Et pour animer ce corps, ben, on a besoin d'étincelles divines. Et c'est ces étincelles divines, au fait, qui sont emprisonnées. Une fois que tu rentres dans ce champ, pour sortir, c'est la fête au village. Pour finir ce jeu, il va falloir lâcher beaucoup de choses, être léger. Hé, ma sœur, ça, c'est clair. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts à lâcher, hein, beaucoup de choses. Parce que comment tu peux lâcher tout ce qu'on t'a dit que tu es? Tu ne peux pas lâcher. On t'a dit que tu es ça, tu es un tel. Et oui, c'est très important de tout lâcher. C'est pas évident, hein, de tout lâcher. Et en général, pour que tu repasses par cette machine de réincarnation, il y a toujours de la drague qui se fait de l'autre côté. Il y a toujours un être ou un groupe qui va te dire, bah, tu veux pas essayer ça. Bah, ça fait des siècles que tu traînes, que tu fous rien. Tu veux pas mettre un peu plus d'ambiance? Viens, viens aider les autres à se réveiller, on va te dire. Et toi, tu vas dire, ah ouais, moi je suis plus intelligent, je vais venir et je vais réveiller les gens. Bienvenue dans la prison. Tous ces gourous-là, il est dans la prison comme vous. Nous sommes tous des esprits incarnés noir ou blanc, mais c'est clair quand on part de l'autre côté, je vous promets, ma Mélanie, elle est pas avec moi. Facilite quand certaines expériences, je sais pas moi-même. En tout cas, ça, je peux pas te le dire, mais je sais que quand je sors de ce corps, eh ben, elle est plus là. Ma Mélanie n'est plus avec moi.
Il y a un rapport entre égrégore et désincarné. Oui, si on considère les entités égyptiennes comme d'autres entités africaines comme Yemoja. Alors, merci de poser cette question. Ce que je partage avec vous, je sais que beaucoup de gens ne vont pas forcément apprécier ou ne vont pas aimer. C'est pas grave parce que je suis encore là pour les 1% qui sont prêts à casser un peu leur façon de penser. Dans les expériences d'hypnose, des fois, on a des dieux égyptiens. Et quand tu parles avec des dieux égyptiens, tu peux voir le côté, on est des esclaves. Donnez-moi de l'amour, donnez-moi de la paix. Et puis, il nous snobe parce qu'il est habitué à ça, à ce qu'on lui donne des offrandes. Et c'est des cas qui existent. Encore une fois, tous ces dieux, c'est nous qui les animons de notre énergie, au fait. Merci de poser les égrégores. Tout ça, c'est des formes pensées. Cette forme pensée existe parce que c'est notre fluide qui donne de l'énergie à cette forme pensée. Si on ne donne pas du fluide à cette forme pensée n'existe plus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, parce que des fois, comme je vous l'ai dit, dans mon cerveau, c'est clair, mais quand ça sort dans la bouche, ça fait trop bizarre. Dame qu'on doit avoir, non. Mama, dame qu'on... Attends, je sais pas. La couleur facilite quand certaines expériences d'âme qu'on doit avoir, non. Maman, les expériences d'âme, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on est dans une prison ici. Pour ma part, je suis contre le fait qu'une femme, je veux bien qu'une femme ait décidé de se faire violer, par exemple, par 10 hommes en Inde. C'est quel genre d'expérience qu'une âme, une étincelle divine va avoir avec ce genre de dégradation ou ce genre de choses? Ce n'est pas divin, on est d'accord? C'est sauvage. C'est pour ça que de mes recherches, de ce que j'ai vu, de ce que je comprends, pour moi, on est en prison. On envoie les cas sociaux des autres galaxies. Ça fait des millénaires ou des siècles, ou je ne sais pas quoi, ou des... Oui, non, des siècles, c'est rien, des millénaires, que la Terre, c'est la prison des cas sociaux de toutes les galaxies. Donc, on est des cas sociaux. Et des fois, il y a des êtres, effectivement, qui rentrent sur cette Terre, on dit des contingents d'armée, c'est le mot. C'est des soldats qu'on envoie justement pour voir que les cas sociaux, tout se passe bien chez les cas sociaux et qui se font prendre par cette grande prison. C'est pour ça des fois qu'il y a des crashs de vaisseaux, hein, de vaisseaux d'extraterrestres. Des fois il y a des crashs et quand tu leur poses la question comment le crash, c'est une prison. C'est la Terre, elle n'est pas stable. Hein. Quand tu poses la question à des consciences, ils te disent tous la même chose. La Terre, elle n'est pas stable. Vraiment. La Terre, elle n'est pas stable. C'est pour ça qu'il y a des déluges, c'est pour ça que les pôles changent, c'est pour ça que la Terre, elle n'est pas stable. C'est fait pour les cas sociaux. Donc, s'il vous plaît, on est tous des cas sociaux ici. C'est tout. Et il y a, ah oui, et il y a les chefs de prison. Qui sont les présidents, les machins chouettes, et des chefs de prison. Ils sont dans la prison des fois. Désincarnés et les prier aujourd'hui les érigent en égrégores en même temps. Ils nous prennent de l'énergie. Mais grave, maman, ils prennent beaucoup d'énergie. La difficulté, c'est l'équilibre. Marcher ici, mais la tête dans les nuages. Vraiment. Les personnes qui ont choisi un corps noir, c'est pour vivre cette expérience en 2022. Von Trapp a pensé bon de choisir ce corps pour Afonso. Tu sais, Doi Hypnose, j'aurais aimé, mais on est tous en prison en tout cas. Moi je vais plus voir les choses comme c'est une expérience que j'ai choisie, patati patata. C'est bon, c'est les livres d'enfants, ça reste, c'est des livres d'enfants pour moi. Je ne peux plus, de ce que je vois, de ce que je vis, je ne peux plus accepter que, voilà quoi, la fille qui s'est incarnée en Inde, elle a choisi de se faire violer par 12 gars.
Le gars qui s'est incarné au Congo, il a choisi cette pauvreté ou je ne sais pas quoi, ou il gratte du diamant ou machin chouette. Pour qui? Personne ne choisit ce genre d'incarnation en fait. C'est qu'il y a des forces, d'autres forces, qui profitent de cet esclavage universel. Non, c'est rien, c'est un esclavage sur Terre. On revient pour grandir au niveau de l'âme, pour avoir des expériences enrichissantes. D'où hypnose. Pendant longtemps, j'ai cru ça, mais aujourd'hui, pour ma part, ma vérité, c'est plus cette vérité, au fait. La couleur de peau, l'époque, nous permet de faciliter certaines expériences d'âme qu'on doit avoir, non? Ma belle reine, I wish, j'aurais aimé, mais je sais que c'est un autre moyen. Pour qu'on soit noir, blanc, chinois, voilà. Il y a, pour moi, non. Pour moi, ça n'a rien à voir parce que. Oui, oui, ok, pardon, je vois ce que tu veux dire. Imagine, tu es désincarné, tu changes de vie pendant longtemps, tu erres, tu es dans une organisation, on te dit, alors, qu'est-ce que tu veux être? C'est toi, tu veux être noir? On va te séduire comme ça pour que tu reviennes encore dans cette prison. Enfin, dans la prison 3D, parce que tu as aussi d'autres prisons dans les terres, il y a aussi d'autres prisons. Y a-t-il un sens de réincarnation, exemple minéraux, végétaux, animaux? Vraiment, je ne, pour ma part, de ce que j'ai vu, d'ailleurs, il y a une vidéo qui parle d'un règne végétal qui s'est quand même incarné sur Terre. Je ne sais pas. Vous voyez, j'apprends aussi hein, avec les hypnoses et tout ça. Donc, j'ai vu, j'ai entendu et je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vécu. D'accord? Mais dans une hypnose, effectivement, il y avait une jeune fille qui vient du règne végétal. Le cas de l'exemple du viol collectif dont tu parles peut-il être une forme de karma d'une personne qui a violé dans une autre vie et qui revient donc récolter sa semence dans la vie suivante? Mais vous ne pensez pas que c'est un peu ingrat ou il n'y aurait pas d'autre moyen de faire grandir cette âme que de vivre ce qu'elle a fait vivre? Je crois que cette façon de penser, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un live où je parle du karma, où je vous dis que le karma n'existe pas pour moi. Donc, pour moi, je ne vais pas faire revenir une étincelle divine pour vivre quelque chose de horrible. Jusqu'à quand ça va s'arrêter, au fait? Donc non, je ne crois pas au karma. Mais il y a des âmes qui s'incarnent pour apporter la paix et la stabilité de la terre, non? Ah, ma sœur, twist hot. Je ne sais pas. Vraiment, c'est. J'aurais aimé hein, que ce soit ça. Mais. Je ne pourrais pas te dire. Tout ce que je sais, maman, c'est que, par exemple, imagine, moi, Gassira, je te dis, je viens apporter la paix et la stabilité dans cette prison que tu appelles la Terre. Et imagine que je suis dans une prison comme vous et que j'ai une connaissance un peu plus que vous parce que je me souviens de quelque chose, de quelques trucs. Eh bien, je peux essayer d'aider, c'est ce que je fais, d'aider, de partager le peu que je sais. Mais ça ne fait pas de moi une personne qui est venue s'incarner pour vous apporter la paix. Ce que je vous dis, c'est que je suis dans la même merde que vous, au fait. Donc, non. Non, c'est juste que je suis une âme emprisonnée comme vous et bah, le temps qu'elle est là, en fait, et qu'elle calcule comment elle va sortir, bah, elle se trouve bah, une mission de vie. D'accord? Mais cette mission de vie que je vais faire, ce que je fais avec vous, bah, c'est pas comme si ça allait me donner des points de l'autre côté, au fait. Ça va juste me donner bah, quelques amis de l'autre côté aussi, tu vois, mais sans plus. Quelques amis ou quelques ennemis de l'autre côté. Mais Gassira et ceux qui font du bien ici sur cette terre, pourquoi seraient-ils en prison? Moi, je me considère comme quelqu'un qui fait du bien. Et pourtant, je suis en prison. Ça veut dire que pourtant, je n'ai pas toutes mes capacités avec ce corps humain, ce corps biologique. Ce corps biologique
ce corps biologique ne me permet pas d'être ce que je suis, au fait, d'être dans mon plein pouvoir. Ce corps biologique, je suis enfermée dans cette prison comme vous. Donc, que tu sois bien ou mal, si on regarde les anciennes histoires dans les anciens bouquins, on disait que il y a eu des guerres. Entre galaxies, il y a eu des guerres, et puis certains êtres qui, enfin, bien mal déjà, c'est juste sur cette terre que ça existe, mais certains êtres, des êtres avancés, parce qu'au fond, vous savez, on est tous des êtres avancés, hein, on est tous des êtres galactiques, mais on était dans un camp et d'autres dans d'autres camps. Certains, en fait, parce que ça fait des millénaires que cette terre existe, hein, c'est pas juste maintenant. Par exemple, on dit que les baleines et les dauphins, en fait, c'est des êtres galactiques intelligents qui ne peuvent plus sortir de cette prison, en fait, qui sont dans les baleines et dans les dauphins, en fait. C'est pour ça qu'ils sont très, très, très intelligents, les baleines et les dauphins aussi. Donc oui, on est peut-être des gens bien, mais il s'avère qu'à un moment donné, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le Shaitan, le machin chouette. Il y a eu une force, qu'elle soit maléfique ou pas, parce que pour certains c'est maléfique, pour d'autres non, qui nous enferme ici, au fait. Et puis voilà, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, les amis, hein. Donc, les gens bien, mal, ma soeur, on est tous anges ou démons. Il suffit que quelqu'un te fasse quelque chose et que tu sortes ton côté démoniaque. Donc, le truc de bon, mauvais, là. C'est faux. À l'intérieur de chaque être humain, il y a un ange, un démon. À l'intérieur de chaque être humain, tu es soit bien, tu es soit mauvaise. Tout dépend de ce que tu y gagnes, en fait. Jusqu'à quand ça va? Wallah, je ne sais pas. That is the question. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est oublier un peu le côté communautaire. Je m'occupe de communauté. Occupez-vous de vous d'abord. Faites grandir cette énergie en vous. Rappelez-vous de qui vous êtes, sortez de cette amnésie. Hello, qu'est-ce qui fait que tu ne crois plus au karma? Il me semble que tu as déjà fait des lives sur le karma et comment ça se passe. Oui, j'ai déjà fait un live sur le karma, sur la façon dont les gens pensent du karma, mais il y a un autre côté que je n'osais pas en parler de peur de ce que les gens vont penser de moi, au fait, de ma forme de pensée. Et aujourd'hui, au fait, comme je disais dans le début, mon âme est blasée, quoi. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en fous de ce que. Si je vais encore à contre-courant, je suis prête à être complètement moi, en fait. C'est pour ça que je parle de ça. Et j'ai fait un live sur le karma, maman, ok? Là, pour aller à contre-courant de la façon dont tout le monde pense que le karma existe. On n'a donc pas de mission d'âme sur Terre. Ça, c'est la question que vous me posez tout le temps en lecture d'âme. Et je vous le dis, ne prenez pas de lecture d'âme si c'est pour cette question. Je vous le donne gratuitement maintenant. Une mission d'âme, c'est que c'est une activité que tu fais sur cette Terre. Aujourd'hui, je vous vends pas du rêve, hein. J'aimerais bien vous dire la mission d'âme. J'aurais aimé, parce que j'allais avoir plus de likes, plus d'abonnés, hein, quand on va, comme tout le monde, au fait, on a plus de likes, plus d'abonnés. On a moins de likes, moins d'abonnés quand on ne fait pas rêver les gens. L'histoire de mission d'âme, je vous explique. Imagine, je suis dans la même prison que vous. Ben, il faut bien que le temps passe. Qu'est-ce qui va faire plaisir à mon âme? Je regarde, qu'est-ce que j'aime? Moi, quand j'ai casser mes murs de croyances, au fait, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Je me suis posé la question, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire dans cette prison, le temps que je suis dans cette prison et que je trouve ma porte de sortie? J'aime bien travailler avec les femmes, je veux comprendre l'énergie féminine. Ouais, ça me parle bien, féminin sacré. Ok, bon, on va aller un peu dans ce courant. Et c'est comme ça que je suis devenue hypnothérapeute parce que plus je travaille avec vous, plus ça m'aide à me rappeler. Ça me sort de cette amnésie, au fait, dans laquelle on est. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi ma mission d'âme. Donc, c'est toi qui décides quelle est ta mission d'âme dans cette prison.
Qu'est-ce que tu veux faire dans cette prison? Le temps bah, que tu es là, en fait. Que signifie prison pour toi? Une prison, c'est... Qui a regardé le film de Jim Carrey, là? C'était quoi le film de Jim Carrey? Truman Show! Voilà, ça c'est une prison pour moi. On est dans le film comme Truman Show. Qui a regardé Truman Show? Si tu n'as pas regardé Truman Show, va regarder Truman Show. Et là, je t'explique c'est quoi une prison. C'est que tout ça, c'est une illusion en fait. Truman Show. Qui on est censé être finalement? Bah, finalement, pour ma... on est tous différents, comme je vous l'ai dit. Ma vérité n'est pas votre vérité. On n'est pas tous des êtres galactiques. Y a de tout. Hein. Dans cette Terre, il y a de tout. Il y a autant d'étoiles que de races sur cette galaxie. Hein. Sur Terre, on parle plus de races, on dit, n'est-ce pas? Mais il y a des races. On vient de différentes galaxies, au fait. On est les cassos des autres galaxies. C'est pour ça que c'est un peu le foutoir sur cette Terre. Comment détruire cette prison si c'est connu? D'ailleurs, pourquoi elle existe encore? Ben, elle existe encore parce que, voilà quoi, parce qu'on est des cassos! Mais t'as vu ce qui se passe sur cette Terre? Encore une fois, la dernière fois, je regardais une vidéo sur TikTok et je ne suis plus aux États-Unis, enfin au Canada, parce qu'au Canada, on parle souvent de Thanksgiving. Et je crois qu'en France, c'est venu aussi. Je ne sais pas s'ils font des conneries comme ça ici aussi, ou dans les boutiques, les gens s'arrachent le dernier Nutella, la dernière télé. On est des cassos, ma sœur. Ça, c'est des êtres humains, ma sœur. C'est des êtres humains, ma sœur. Les gens, ils se battent pour de la télé, la dernière télé. Donc, on est des cassos. C'est pour ça qu'on est dans cette prison. Enchantée. Maman. Comment fait-on pour se souvenir de nos vies par la méditation? La méditation, vraiment, c'est la chose. La méditation, la sophrologie. Donc la méditation et la respiration, c'est le truc vraiment qui peut t'aider à débloquer bah, cette amnésie. Je suis choquée d'apprendre que je suis peut-être un cas social. Je vous ai pas besoin de beaucoup de likes aujourd'hui, hein. J'ai travaillé pour retrouver cette confiance en moi, et d'apprendre ça remet tout en question. Que faire? L'Africa Restaurant, écoute-moi, ma sœur. Encore une fois, je partage ma vérité avec vous. J'ai beaucoup longtemps caché, je vous ai dit, ce que j'ai vu, ce que je sais, ce que je sais au plus profond de moi, ce qui fait vibrer, ce que je vois. Justement pour faire attention à vos esprits emprisonnés, vos consciences en prison, parce qu'il y a beaucoup de consciences en prison, je me suis autant censurée. Et ça, c'est à toi de travailler sur toi, maman. Je suis un cas social, je te dis, et pourtant, ma sœur. Je vois, je partage avec vous ce que je sais, je rigole avec vous, je suis bien dans ma vie, je suis bien dans ma prison. Hein. C'est pas parce qu'on est un cas social qu'on ne peut pas avoir une vie méritée sur cette terre, puisque c'est un champ électromagnétique. Donc l'abondance, elle est partout, non? Pourquoi l'abondance, elle va que dans un seul cas? Donc, c'est à toi maintenant d'apprendre le jeu. Donc, c'est pour ça que c'est délicat, hein, ce que je partage dans les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que quand je fais les réservations aujourd'hui, je me protège comme ça en disant, si ça fait 3 ans que tu as eu une... Si dans les 3 dernières années, tu as eu une dépression, je ne peux pas faire ni de lecture d'âme pour toi, ni d'hypnose. Si tu as eu des... si tu es sous comprimé, sous... comprimé, comment on donne? Dépressif. Là encore, je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux pas vous accompagner avec ce que je sais parce que voilà quoi, c'est un chemin que vous avez pris et quand votre corps n'est pas complètement hors médicaments, je ne peux pas parce que
je ne peux vous, il y a une certaine faiblesse qui fait que je ne peux pas vous dire des vérités, au fait. Et je voilà quoi. Et pourtant, donc voilà, je ne peux pas m'auto-censurer parce que bah ça te fait mal d'apprendre que tu es un cas social. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, ma sœur? Je ne veux plus m'auto-censurer, en fait. Truman Show, oui, c'est ça. Oui, j'ai vu le film. Est-ce que dans tes séances, tu peux nous donner des pistes pour nous alléger? Alléger sur quoi, maman? Tout dépend. Pour te donner un exemple, dans une lecture d'âme, je bloque vos entités. Je ne veux rien avoir à faire avec eux. Parce que tu n'as pas. S'il y a des entités avec toi, c'est que tu leur as donné l'autorisation. Et je ne peux pas discuter avec eux à travers toi parce que tu n'es pas au courant de ces choses-là. Donc, une lecture d'âme, c'est 1 heure. En 1 heure, tu parles à une grande sœur parce que tu as des points que tu veux éclaircir et que tu n'arrives pas à éclaircir, comme la cliente qui est venue me voir pour me dire, ben, je sais pas, j'ai fait une noire de l'âme, mais que je lui ai dit ben, certaines choses qui font qu'elle dit, ah, mais c'est pour ça que ces derniers temps, je suis en colère et tout, parce que tu n'as pas vraiment écouté ton âme. Ça, c'est la lecture d'âme. Maintenant, l'hypnose supraconsciente, là, c'est différent. Là, j'ai un support télépathique et avec ce support télépathique, ben, on va voir tous tes corps et on va voir ben, si ta conscience déjà est avec toi, parce que des fois, la conscience est emprisonnée pour qu'on t'esclavagise encore mieux. Soit tu es intact et on va voir ben, les blocages que tu as. Donc oui, dans une séance, au fait, ça te permet pas de sortir de l'amnésie, parce que pour sortir de l'amnésie, il faut beaucoup, beaucoup de méditation, beaucoup d'œuvres en toi, sur toi, ok? Mais ça peut t'accompagner dans ce chemin, en fait. L'hypnose me donne des palpitations, des sueurs, je me asphyxie et j'arrive pas à aller plus loin. Alors, Lilith, moi, le genre d'hypnose que je fais, c'est pas toi qui rentres en hypnose, c'est ma binôme télépathe qui rentre en hypnose. Donc, toi, tout ce que tu fais, c'est regarder comment ça fonctionne, en fait, ce qui se dit, ce que ta conscience dit. Tu peux aller sur ma vidéo, sur mes vidéos YouTube et tu peux écouter comment ça se passe pour avoir une idée. Oui, on marche sur la tête. Je ne veux pas être un cas social. Voilà, enchanté. Bienvenue tous dans la prison. Bienvenue, Cassos. Du coup, ça fait appel à l'humilité pour sortir d'ici. Mais grave, ma grave. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Attention, se rendre compte d'une potentielle vérité qui apporte une couche supplémentaire de compréhension n'invalide pas le travail que l'on fait tous. Ah ben oui, la vie n'est-elle pas un cas social? Mais grave, ma sœur, mais bien sûr, c'est pas parce que je suis un cas social et que je suis bloquée dans cette prison avec vous que je ne veux pas avoir la plus belle, comment on dit, la plus belle, comment on dit, dans les prisons, ils ont des salles, non, on ne dit pas des salles. Comment, il y a un mot. Salle de prison ou la plus belle cellule, voilà. Voilà, c'est on est dans une prison, mais moi je veux quand même avoir la plus belle cellule, je veux avoir mon comment si je fume des cigarettes dans les prisons, c'est comme ça, non? Ils payent le prisonnier, le chef du prison pour qu'il nous ramène un paquet de cigarettes, et il y en a un autre qui va prendre son Kit Kat, voilà quoi. Il y en a un qui va être badass pour qu'on le respecte dans la prison. En tout cas, on est tous dans la même game. Salut la guillot. Aujourd'hui, je parle des choses trop, trop, trop différentes. Cellule, voilà, cellule. Donc, c'est pas parce qu'on est dans une prison et qu'on est des cas sociaux qu'on ne peut pas se permettre d'avoir la plus belle cellule. Donc, moi, dans ma cellule, je mets des tableaux que j'aime, je mets, voilà, des choses. C'est ma cellule. Et quand je médite, je regarde. Elle est où la porte de sortie? C'est quoi cette corde d'argent qui m'empêche d'aller traverser ce truc d'électromagnétique là? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour être un cas social? Ma sœur, pour savoir ce que tu as fait pour être un cas social, il faut que tu te poses avec toi. Si on voit dans les anciennes histoires, pour être un cas social, bah, il y a une histoire que j'ai lue une fois
J'ai oublié c'était quel livre, je ne pourrais pas le dire. Ou, vous savez, ici, on se plaint des impôts et tout, hein. Imagine, il y a des galaxies qui sont un peu comme ici, où là-bas aussi, tu payes des impôts. Ou des planètes, d'autres planètes, hein. Parce que la planète Terre, ce n'est pas la seule avec un soleil. Il y en a qui ont trois soleils, il y en a qui... il y a de tout, hein. Et pour ceux qui ne payent pas des impôts, on les envoie à la Terre. Les rebelles là-bas, là. Ils sont connus comme des rebelles, donc on va les emprisonner parce qu'ils font chier cette planète. Eh ben, c'est pas ce qu'ils essayent de faire un peu en cherchant d'autres planètes et tout. C'est ça qui fait de nous des cas sociales. Ce qui change d'état de conscience, c'est comme s'échapper de la prison un instant. Oui, un instant, mais encore une fois, on est toujours dans cette prison. Parce qu'on est, c'est pas parce qu'on n'est plus dans la 3D et qu'on va dans l'éther qu'on n'est plus dans cette prison. On est toujours dans cette prison, en fait. Tout le monde est dans cette prison, en fait. Même les morts sont dans cette prison. Moi, ce live me donne envie de mettre encore plus de mon énergie vers ce qui me fait vibrer haut et avec plus d'amour, puisqu'on est tous dans la même merde, on va le transformer en or avant que ça. Mais en tout cas, ma sœur, dis pas là. C'est ça même que tu dois faire, vraiment. Parce que tu monnaies ton énergie. Et ils font en sorte que cette énergie se monnaie, en fait. Donc, autant garder le plus d'énergie pour vous, en fait. Pour que quand vous allez partir, vous utilisez cette énergie et que vous sortiez de ce game de fou, quoi. Si vous pouvez vous évader, hein. Je sais plus c'est quel pays, je sais plus si c'est des pays d'Amérique là, le Mexique ou le Brésil, je sais plus c'était quel pays, c'est où, je sais plus, mais en tout cas, il y a un pays qui accepte que les prisonniers s'évadent, genre, c'est pas interdit. S'ils peuvent, ils s'évadent, donc. Si tu arrives à t'évader, en tout cas, pense à nous, quoi. Tout ce que je sais, c'est que moi, je n'arrive pas à m'évader, quoi. Mais qui nous a envoyés? Parce que s'il y a prison, il y a gouvernement, justice, juge. Ah, mais il faut que, au fait, pour do hypnose, pour réfléchir comme ça, au fait, il faut voir comment expliquer? Il faut voir que comme la planète Terre n'est pas la seule planète, au fait. Il faut comprendre que la planète Terre n'est pas la seule planète et qu'il y a d'autres planètes et que des fois, ben, on choisit la planète. Ils ont choisi la planète Terre comme une prison, quoi. Voilà, quoi. On met les incarcérés, ceux qui sont les cas sociaux, on les enferme dans une Terre qui est instable. C'est tout. C'est comme ça. Mais bien sûr qu'il y a gouvernement, justice et juges dans d'autres planètes, hein. Mais après, encore une fois, c'est des fois, on peut essayer de passer par la planète Terre pour étudier les cas sociaux, parce que tu peux dire, tu peux être un, je sais pas, un colonel, je ne sais pas quoi, qui vient d'une galaxie, et tu te dis, bon, je suis en train de faire une thèse, je vais étudier les cas sociaux, et tu viens étudier les cas sociaux, et toi-même, tu te prends dans la prison parce qu'il y a un champ électromagnétique, tu pensais que tu pouvais sortir, mais tu es coincé. Donc, il y a cette possibilité aussi. Mais je ne pense pas qu'on soit tous des colonels, quoi. La vie, c'est Naruto, en fait. Tu sais, beaucoup de gens parlent de Naruto, mais je n'ai pas regardé. Il faut que je regarde. C'est un cadeau d'être là. Ça nous fait grandir. Oui, Lagui, parce que tu es un incarcéré. Tu es un prisonnier, papa. Tu es un prisonnier. Au lieu d'être dans une prison toute grise, on t'a fait une illusion. On t'a mis la terre. L'océan, il est beau. Il y a les arbres. Il y a ça. Hein, il y a. Voilà, quoi. On t'a mis une ambiance. Donc, forcément, c'est mieux que d'être dans une case, quoi. Mais la terre, elle nous fait pas grandir plus que ça, quoi. C'est la maternelle, papa. Papa, c'est la maternelle. Quand moi, je vois d'autres êtres humains en train de se battre pour une télé, je te dis, qu'est-ce que je fous là? Si je suis là, c'est parce que je suis aussi un cas social. Cas, on va se libérer pour bonne conduite. J'espère qu'on va se libérer pour bonne conduite. En tout cas,
Vous savez, ça me fait rire. Il faut en rire, au fait. C'est pour ça que des fois, je peux prendre toute seule un fou rire quand je vois ce genre de cas sociaux. Les autres planètes, elles sont aussi des prisons. Non, parce que les autres planètes, ben, tu es assez. T'es pas un cas social, tu suis leurs règles, leurs lois, et puis ça te permet, ben, de voyager de planète en planète. Tu es libre, au fait, hein. Mais tant que tu es sur cette Terre et que tu ne peux pas voyager de planète en planète, excuse-moi, tu es un cas social. Mais justement, c'est ça que je veux dire. On prend conscience de ça pour grandir. Oui, baba, oui, baba. Donc, être prisonnier dans une prison de cas social, c'est double peine. En tout cas, fais en sorte de black une, que ta cellule soit assez belle. C'est tout. Le temps, voilà, de voir comment tu vas sortir de cette prison. Parce que ici, on a les vibrations les plus basses de l'univers. Mais grave, papa. Qu'est-ce qu'on fait ici? Vraiment, réveillez-vous, nous sommes dans la matrice, mais grave, mais grave. Les autres ne veulent pas venir ici, c'est la sauvagerie. Mais grave, papa, c'est trop la sauvagerie, c'est trop, tu te dis, mais parce qu'on est, si on se reconnaît comme des êtres humains, c'est que tout ça là, tous ces cas sociaux, voilà quoi, nous aussi on est un cas social, sauf qu'on a dit, bon, on veut sortir de cette prison, on va se mettre un peu à l'écart de cette folie pour pouvoir essayer de voir comment on peut s'évader. Mais on est encore dans cette prison, quoi. Et ça me fait rire quand je vois des gens qui se battent, vous voyez, des communautés qui se battent, des tribus, hein, il y a des ethnies. Vous imaginez encore à Djibouti, mais vous voyez que je suis, moi aussi, je suis un cas social, les amis. J'ai choisi de naître dans un pays. Excusez-moi du mot, inventé après une colonisation, en fait. Il y avait des terres, et puis après, ils ont dit, bon, on va l'appeler terre des Issa et des Afa, terre des Djibouti, terre des machins chouettes. Non, mais imaginez, et il y a encore en Afrique de l'Est des gens qui se battent entre tribus. On est un cas social, les amis, donc arrêtons de nous cacher la face. Arrêtons, en fait, arrêtons. Arrêtons, en fait. On est dans une prison. C'est pas normal d'être avec des cas sociaux comme ça. Ça veut dire que moi-même, je suis un cas social, puisque c'est moi qui ai décidé de choisir cette ethnie qui se bat encore entre tribus, cette terre. Les gens sont vraiment trop bizarres. La Somalie divisée entre trois, vous avez les Somalis qui sont anglais, il y a Somaliland, il y en a d'autres qui sont Somalie, la Grande Somalie, il y en a d'autres, des Somalis qui sont à Djibouti, qui sont en Éthiopie, et les uns se disent, moi je suis mieux que toi parce que je suis de telle tribu. On est cas social. Cas social, les amis. Donc, je suis en prison. Je ne peux pas dire que je suis libre, les amis. Je suis en prison dans cette terre. C'est tout. Donc allez-y, dire on est des êtres stellaires partout. Qu'est-ce qui fait que les autres planètes ne sont pas des prisons? Twistote-moi, tant que tu peux, avec ton corps, voyager de planète en planète, de voir d'autres galaxies, là tu peux te dire je suis libre. Mais tant que tu ne peux pas te permettre ça, tu es emprisonné. Tant qu'on te fait croire que la planète Terre, c'est la seule planète, que c'est les seules façons de vivre, avec des cas sociaux, I'm sorry, mais je suis en prison ici. Tu as vu les livres de Ami. C'est qui ça, chérie? Je ne sais pas, Baba. Ami, je ne connais pas Ami. Il faut mettre sur le commentaire. On va voir, je ne sais pas c'est quoi comme livre. Faut taper les directeurs de site. Merci, The Black Moon. Si on était tous ensemble là, on pouvait taper les directeurs de cette prison. Mais le directeur, il est intelligent. Il nous a divisés. Il nous a tous divisés. Donc, du coup, ben, on est dans cette illusion. On est des cas sociaux qui n'arrivent pas à se gérer. L'enfant des étoiles. Je ne connais pas l'enfant des étoiles. Tu me diras c'est lequel. Ah, le moment où tu te rends compte que c'est une prison, je te jure, ma soeur.
S'il y a des règles à suivre sur ces planètes. Ah, mais oui, il y a toujours des règles, il y a toujours de. Mais voilà quoi, mais les gens, ils dépassent pas les règles parce que ce n'est pas des cas sociaux quoi. Il y a des règles de respect, des règles. Voilà quoi, mais ce n'est pas des cas sociaux comme ici quoi. Contente de vous avoir comme colocataire. En tout cas, contente de vous avoir comme colocataire. Organisons-nous, petit cours entre nous, groupe de parole, sport, tranquille, voilà. On s'incarne pour changer la donne, mais si on n'est pas conscient, on n'est pas mélangé avec les cassos. Baba Lagui, si tu, en tant que toi, tu me dis j'ai une conscience et tout, mais si tu t'incarnes avec tes anciennes mémoires, ok, chapeau bas. Mais si tu t'incarnes et que tout ce que tu as appris dans tes autres vies, tu ne les as pas, mais papa, c'est une prison. Ce n'est pas naturel. C'est une prison. On est, voilà quoi. C'est une prison, baba. On s'incarne pour changer la donne. J'aurais bien aimé qu'on s'incarne pour changer la donne, mais on n'est pas conscient, on est mélangé avec les cassos. Mais on est conscient, on n'est pas conscient parce qu'on nous enlève notre mémoire. Quand on vient dans cette terre, il nous bloque. Il y a un champ électromagnétique qui nous bloque nos anciennes vies, nos anciennes mémoires. Le fait de voir notre expérience ici comme une prison, ça enlève un peu au fait de dire qu'on a choisi une telle incarnation, parce que pour moi, la prison enlève l'effet de volonté. Tu sais, ma sœur, même quand tu vas dans une prison, je crois, hein, je ne sais pas comment ça se passe. S'il y a plusieurs prisons, je crois que ton avocat peut t'aider à choisir la prison qui t'irait mieux. Il y a une prison, voilà quoi. Mais donc, tu as choisi, tu as quand même un peu de volonté parce que même si c'est une prison, on te donne quand même ce choix de choisir bah, qu'est-ce que tu veux vivre maintenant. C'est une activité. Oui, dans les prisons, il y a des activités. D'ailleurs, il n'y a pas eu une polémique il n'y a pas longtemps dans une prison. Je ne sais pas où en France, où un jeune homme a fait des activités et puis ils ont parlé un peu partout en disant, oh, ça se fait pas, les prisonniers ne doivent pas avoir d'activités. Au moins sur Terre, on est des prisonniers avec des activités. Donc, le choix de ta mère, de ton père, ça peut être une activité, à moins que, encore une fois, tu aies interféré. À moins qu'on entre en prison sans savoir qu'on va en prison. Ouais. À moins qu'on entre en prison sans savoir qu'en fait on. Mais oui, ma sœur, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est en prison. On va pas te dire que c'est tu vas rentrer en prison en fait, hein. Mais il y a des consciences qui savent et qui ne veulent pas se réincarner. Hein. Plein, ils sont beaucoup, hein. Les consciences qui sont un peu stagnées quelque part là, qui veulent pas se réincarner, ils veulent pas revenir en prison. Ils existent, hein. Mais quand je fais les hypnoses, au fait, je me rends compte que des fois, quand je pose la question des autres incarnations, je dis, alors, comment t'as fait pour t'incarner? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'incarner? Et des fois, ben, ils disent, c'est un tel, parce que voilà, un tel m'a dit ça, ou un tel m'a expliqué que c'est comme ça qu'il fallait que je paye mes regrets, ou des histoires de karma fait, quoi. Je vais te partager ça. C'est l'histoire. Un garçon qui raconte son histoire avec un extraterrestre. Une histoire vraie, mais il l'a changée en roman. Je t'enverrai, c'est magnifique. Oui, s'il te plaît, envoie-moi, ça va être drôle. C'est bien ça le problème. Nous sommes des milliers contre deux tiers. Si on s'y nuit, il n'y a plus de directeur. Mais absolument, maman, c'est absolument. Mais ils nous ont tellement bien divisés. Moi, ça me fait rire hein, quand je vois des gens qui parlent de blanc-noir, alors que même le noir même. Un problème avec une autre tribu. Des fois, je te dis, mais c'est pas naturel de réfléchir comme ça, les amis. Mais bon, c'est moi qui, voilà, je suis venue m'incarner dans cette prison parce que j'étais bloquée et je ne pouvais pas retourner là d'où je venais, donc je suis dans cette prison. Non, c'est un cheminement, c'est un travail. Le livre Ami Enrique Barrios. Ami, Ami. Bah écoutez, je vais le lire ce livre. Je vais le lire ce livre. En tout cas, c'était un live très drôle. Merci d'avoir écouté, d'avoir écouté un peu ça. C'était très drôle de partager le peu que je connais, le peu que je sais. Et vous allez voir de plus en plus, au fait, je vais parler de ma vérité. Comme ça va vous permettre de vous aussi vous libérer. Vous savez, des fois, rien que quand vous écoutez mes audios, j'ai des messages de personnes qui disent, j'ai pu débloquer ça, au fait. Donc, merci encore une fois à toutes ces personnes qui nous permettent
de partager ces vidéos et ces séances sur YouTube. Vraiment, merci, merci. Il y a 3 tomes. Ah, c'est cool. Je vais le lire s'il est intéressant. Ça va être mon livre pour les vacances. C'était super intéressant. Ça remet en question beaucoup de choses en moi. Merci Twist Hot de m'avoir permis d'exprimer au fait, parce que c'est vrai que ce que je dis en général, c'est des choses qui vont à contre-courant. Donc du coup, soit on m'attaque, soit on peut m'attaquer, soit on peut dire, ah, mais elle est un peu dans sa tête, soit les plus intelligents vont dire, ah, mais je vais quand même réfléchir, je vais regarder à l'intérieur de moi, je vais voir est-ce que ce qu'elle dit, ça vibre en moi ou ça vibre pas en moi. Et puis c'est ça qui nous fait avancer au fait. L'idée de quand on veut sortir des égrégores, au fait, c'est de ne pas être choqué par quoi que ce soit. Moi, je suis à un point, en fait, il n'y a aucune pensée qui me choque. Les murs de verre et des pas mûrs, rien ne me choque. Je dis, ah ouais, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc, on doit être capable de dire ça. On ne doit pas dire, oh non, 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 c'est pas possible, c'est comme ça. Ça, c'est votre mental. La prison. La prison. Donc, merci, Mama Twist Hot. C'était excellent. Donc, merci à vous toutes. Merci, merci, merci vraiment d'avoir écouté. C'était trop cool. Moi, je cherche le contre-courant. Moi aussi, ma sœur. Moi, dès qu'il y a un contre-courant, je regarde, je rentre, je plonge même. Après, je dis, non, en fait, c'était pas ça. Donc, avant de goûter, je dis pas, c'est pas ça. Il faut que je goûte pour voir si j'aime, si c'est bon, si ça vibre en moi. Si je n'ai pas goûté et que je dis, c'est faux, c'est ma prison qui parle. Je te dis, c'est intéressant, tu doutais. Merci de Black Queen d'avoir confirmé. En tout cas, je vais lire le livre dont vous parlez. Gros bisous à vous tous. Bon dimanche ensoleillé. Merci à tous vos likes, vos feux, vos machins chouettes. C'était vraiment top de pouvoir m'exprimer avec vous. À très bientôt. Je vais laisser ce live aussi ici.